Un petit peu aussi. Là, on est en train de faire plein de photos aujourd'hui. Faut être photogénique. Hein. Salut à tous, c'est Matteo de My African Startup avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Youze. On commence un peu plus tôt que prévu car Lamine, que j'ai rencontré hier, me propose de voyager afin d'assister à une journée consacrée au digital et aux startups ivoiriennes. Bonjour chef, ça va? Je vais à Angré. Mesdames et messieurs, sous vos orations nourries, nous allons accueillir Monsieur Lamine Barreau pour son intervention sur acquérir une excellente formation par le biais du e-learning, s'il vous plaît. Le seul fait de lire un livre en ligne, un e-book, c'est du e-learning. Le seul fait d'aller sur YouTube, suivre une vidéo, un tutoriel, c'est du e-learning. Il y avait des universités telles que Harvard, MIT, qui partageaient leurs ressources éducatives en ligne sur leur plateforme et c'était gratuit, disponible pour tout le monde. C'est-à-dire moi, je peux rester à Korogo avec un pass de 200 francs, avoir accès aux mêmes ressources que les étudiants qui sont assis dans les amphithéâtres de MIT. Et ça, c'est une opportunité. Depuis 2012, on s'est dit que c'était une tendance qui est en train de se créer et donc on allait voir comment nous, en tant que jeunes Ivoiriens, on pouvait faire quelque chose. Salut Habib, vous êtes les organisateurs des IACO des JDS 2018, une partie des organisateurs. Vous sentez un certain engouement pour les startups et digital en Afrique de l'Ouest. Pourquoi cette première édition cette année et pas plus tôt ou pas plus tard? Nous sommes étudiants en gestion commerce, deuxième année. Et à vrai dire, le digital a trait à notre domaine d'activité. Donc on s'est inspiré un peu des Asies comme DEIS et on s'est dit pourquoi pas ne pas organiser le festival du digital. Est-ce qu'il y a des projets qui sont en train de naître parmi vos promotions? Effectivement. Donc au sein de la promotion, plusieurs souhaiteraient créer des entreprises d'e-commerce. Donc c'est déjà une première initiative. Le temps nous dira s'il y en aura d'autres. Pourquoi tu es venu ici et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette quête du digital en Afrique? Aujourd'hui, le digital en Afrique, il est vraiment en plein essor. On est vraiment dans une ère où le mobile déjà se fait beaucoup plus présent chez les populations, alors que le taux de pénétration d'Internet, lui, reste encore assez faible. Les enjeux aujourd'hui sont plus d'arriver à partir du digital et arriver à développer des stratégies qui vont permettre aux entreprises, aux différents entrepreneurs de développer leurs produits, de développer leur marché. Est-ce que tu t'es lancé dans un projet Bien pour sûr. Y contribuer? Je suis fondateur d'une agence de communication digitale qui est spécialisée dans tout ce qui est création de contenu, création de sites web pour des entreprises, création d'applications mobiles, mais également en stratégie digitale. Salut à tous! Salut! Donc, vous venez tous de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Exactement. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a pour ambition de vulgariser le numérique au sein de l'éducation. Voilà, au sein de l'université en Côte d'Ivoire. Et donc, pour cela, nous avons prévu de faire toute une série de tournées dans la ville de la Côte d'Ivoire et même dans la ville d'Abidjan. L'événement IACO Digital 2018 s'est super bien passé. Et là, avec Ismaël, on rentre à Abidjan. C'est